Après le Sénégal, c'est le Maroc qui arrache sa qualification lors de cette ultime journée de la phase de groupe. Pour y parvenir, les Lions de l'Atlas ont dompté le Canada ce jeudi, 2-1. Les hommes de Walid Regragui ont très bien entamé leur rencontre. En effet, après seulement 4 minutes de jeu, l'attaquant de Chelsea Hakim Ziyech a ouvert le score en profitant d'une relance hasardeuse du gardien canadien, Milan Bojan. Puis à la 23e minute, Youssef En-Nesyri est venu doubler la mise sur une passe décisive d'Achraf Hakimi. Mais malgré leur large domination, les Marocains se sont fait peur en fin de première période en concédant la réduction du score sur un contre son camp de Naïef Aguerd. Malgré une fin de match en faveur du Canada, les Lions de l'Atlas conservent l'avantage, 2-1. Ainsi, le Maroc termine premier de son groupe devant la Croatie et affrontera en 8e le deuxième du groupe E. Encore une fois, comme presque depuis l'entame de cette Coupe du Monde, l'équipe nationale du Sénégal ne s'est pas entraînée avec un groupe au complet ce jeudi 1er décembre. Lors de la séance du jour, il y avait 23 joueurs qui ont travaillé sous les ordres d'Aliou Cissé. 3 joueurs ont donc manqué à l'appel. Il s'agit de Chékou Kouyaté, Nampaly Menodi et Youssouf Sabali. L'absence du joueur de Nottingham Forest, blessé depuis le premier match de la phase de groupe, n'est pas une surprise. En revanche, bien que les raisons de leur non-présence à l'entraînement de ce jeudi restent encore inconnues, Nampaly Menodi et Youssouf Sabali pourraient soulever quelques inquiétudes, à 3 jours des 8e de finale contre l'Angleterre.